Donc est-ce que vous avez de l'action en fait pour les moines? Et une fois que l'approche active, vous tournez du côté de l'approche peut-être, parce que ça s'active. D'accord. Donc il faut être... Donc Christophe Ficata arrive avec une torche de flamme. Il le remet. Tous les danseurs sont habillés en moine. Tac, 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 tac. Il arrive sans procès. Ben c'est la première semaine où en fait Vindal peut vraiment rentrer dans un personnage et s'imprégner un petit peu de ce côté dramaturgie que peut avoir le passo doble. Et c'est un exercice qui lui plaît. Et ça nous a fait du bien en fait cette semaine. On a adoré pouvoir en tout cas se servir pour une fois de ses talents d'actrice pour pouvoir interpréter un rôle et une danse qui lui va bien, je trouve. Il y a la pression de se dire voilà, il faut qu'on réussisse ce passo doble parce que. On a envie d'avoir le ticket pour pouvoir faire la deuxième danse. Moi, elle me tient à cœur, c'est pour mon petit garçon. Ouais. Donc, Linda a mis beaucoup du sien pour pouvoir faire en sorte que la danse soit belle. Et on a envie de pouvoir la montrer au public, c'est sûr. On ne veut pas avoir travaillé pour rien et on veut vraiment l'offrir pour, ouais. pour Livio et pour sa maman. Allez, les amis, on se rend tous... Bon, pardon, je ne parle pas français. On se met tous en position de départ. Et vite, le feu prend. Et Linda, attention. Vas-y, mets-toi en place, s'il te plaît. Merci beaucoup. On y va dans 3, 2, 1, top.